Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, dans le thème Minute Gimp, nous allons voir leçon numéro 4 qui portera sur la fenêtre unique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment passer Gimp en fenêtre unique. Par défaut, ce logiciel a toutes les fenêtres détachées. Mais voilà, depuis la version 2.8, on peut faire en sorte d'agencer les fenêtres, appelons cela des modules, sur la fenêtre principale. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc on va lancer Gimp, donc comme vous pouvez voir, on est sous Linux. Que ce soit Mac, Linux ou Windows, c'est exactement pareil. Donc on double-clique dessus afin de démarrer le logiciel. Et vous voyez, comme je vous disais, toutes les fenêtres sont détachées. Donc on peut faire par exemple ici dans le mode fenêtre, vous voyez, on est dans le menu fenêtre, on fait masquer les groupes de fenêtres. Donc ça me permettra de travailler en plein écran, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresserait serait regrouper, vous voyez, toutes ces fenêtres. Ben, c'est très simple. Il suffira d'aller tout simplement ici, fenêtre, et vous allez ici, vous voyez, mode fenêtre unique. Et là, automatiquement, vos fenêtres sont regroupées. Comme vous pouvez voir, les trois fenêtres qu'on avait avant qui étaient distinctes sont maintenant regroupées en une seule fenêtre. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la Minute Gimp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye!